Bonsoir, on se retrouve avec quelques heures d'avance pour cause de Coupe du Monde. À 21h, nous serons nombreux devant notre petit écran. Regardez les prévisions pour Saint-Pétersbourg et la rencontre France-Belgique. On attend un temps plutôt nuageux mais sec avec une température de 17 degrés, parfait pour jouer au football. Retournons en France avec un temps très calme prévu ce mercredi matin, même si des nuages vont s'infiltrer comme aujourd'hui sur les régions du nord. Ils seront sans conséquence, quelques-uns aussi sous forme de grisaille pour le piémont pyrénéen et pour la côte aquitaine. Dans l'après-midi, on retrouvera des conditions sèches et ensoleillées sur la majeure partie des régions, même si quelques passages nuageux circuleront sur le nord, notamment vers les frontières où ils seront plus nombreux. On risquera d'avoir une petite averse pour les Alpes du Sud et pour les Pyrénées. Et puis vous notez le vent entre la basse vallée du Rhône et la Corse. Les températures de votre mercredi matin en baisse avec une petite fraîcheur sur le centre et sur le nord du pays. 10 degrés, pas plus pour Nevers, 12 du côté de Reims et de Caen. Ça restera chaud en Méditerranée avec 24 degrés à Perpignan et il y aura jusqu'à 33 degrés sur la ville en cours d'après-midi. Ailleurs, ça sera également estival, 30 degrés près de la Garonne, 27 pour Lyon ou encore pour Rennes, 26 à Paris, un peu plus frais près de l'extrême nord avec 23 degrés pour Lille et 21 pour Calais. Votre tendance avec jeudi, le soleil qui perdure sur la plupart de nos régions, quelques passages nuageux inoffensifs pour la moitié nord et puis peut-être une averse du côté des Alpes et des Pyrénées. La chaleur va de nouveau s'accentuer avec des valeurs comprises entre 26 et 31 degrés sur la plupart des régions. Vendredi, on conserve le même temps avec des conditions largement ensoleillées, quelques cumulus de beau temps en cours d'après-midi et un risque d'orage pour les Alpes et pour les Pyrénées. La chaleur de plus en plus nette avec souvent une trentaine de degrés sur la moitié nord et autour de 31 à 34 pour le sud. Le week-end sera particulièrement chaud sur l'ensemble du pays avec un soleil particulièrement généreux. Quelques orages de chaleur pourront éclater principalement en direction des massifs. Il fera souvent entre 30 et 35 l'après-midi du nord vers le sud. Et puis pour le début de la semaine prochaine, on pourrait avoir quelques orages un peu plus nombreux pour lundi entre le sud-ouest et les frontières de l'est et quelques-uns mardi, mais la fiabilité est en baisse, on en reparlera. En tout cas, il devrait encore faire chaud. Demain, nous serons le mercredi 11 juillet et nous fêterons les Benoît. Très bonne soirée à tous, bon match et à demain.